Ausreden, das hätte krass. Thank you.
problème. Et cette réponse, eh bien, entre étrangement en résonance avec ce passage d'évangile que nous venons d'entendre, hein, le deuxième. Et je trouve que l'appel des apôtres, il est simple et il est direct. Venez à ma suite. Et littéralement, l'expression veut même dire derrière moi dans le texte grec. Et les traducteurs l'adoucissent en plaçant un venez, venez derrière moi. De plus, Jésus appelle des gens ordinaires, c'est-à-dire des gens comme vous et des gens comme moi. Et il les appelle au cœur de leur intimité. Et cet appel, vous l'avez entendu, il est pressant. Dernièrement, c'est vrai, dans l'évangile de Marc, les mots de Jésus claquent. Mais comment marcher derrière toi, Seigneur? Comment connaître ton chemin pour te suivre? Alors je crois que c'est vrai pour les confirmants, mais c'est vrai aussi pour tous les disciples du Christ qui sont rassemblés ce matin. Pour parcourir ce chemin, je crois qu'il y a trois repères que je voudrais vous donner brièvement. Premier repère, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Le pape a souhaité qu'il y ait un dimanche particulièrement attentif, centré sur la parole de Dieu. C'est ce dimanche. C'est vrai que chaque dimanche, bien sûr, mais voilà qu'il nous invite à être de ceux qui entendent, qui lisent, qui écoutent, qui méditent la parole de Dieu. Et dans chaque église, vous savez qu'il y a l'ambon avec la parole qui est proclamée, et puis il y a la table de l'Eucharistie, la table de la parole, la table de l'Eucharistie, et c'est à ces deux tables que les chrétiens, que les disciples du Christ se nourrissent. Oui, la première chose pour suivre le Christ, c'est d'entrer dans son intimité par l'écoute de la parole. Le deuxième repère pour des confirmants et des confirmés, c'est la vie communautaire, pour nous former à témoigner, pour célébrer, pour être efficace dans le service du frère. Alors j'invite inlassablement chaque fidèle à vivre en communauté fraternelle, ouverte aux plus pauvres, aux plus fragiles. La foi est personnelle, mais elle se vit en fraternité. Troisième repère. Alors, sur le deuxième repère, bien sûr, ça veut dire pour les confirmants bientôt confirmés que vous aurez dans l'avenir, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, à trouver les lieux où vous pouvez partager votre foi et votre amour du Christ avec des frères et sœurs Christ. Et le troisième repère, c'est bien sûr l'Eucharistie qui est la source et le sommet de toute vie chrétienne, parce qu'elle nous permet non seulement d'entrer, j'allais dire, de rencontrer le Christ, mais de devenir le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ ce matin. Je reviens sur ces deux mots dernièrement. Ah, c'est sûr que Jésus ne veut pas nous obliger. Mais nous sommes libres. Il respecte notre liberté. Il la suscite même. Je vais évoquer les lettres que vous m'avez adressées qui en sont le signe de votre démarche personnelle. Mais on sent en même temps que cet ordre, il est là pour taronner notre cœur.
pour marcher avec lui et derrière lui encore et encore. Peut-être que nous pouvons en avoir assez de ne voir le Christ que de dos, derrière moi. Mais j'oserais ajouter, je pense que c'est derrière moi pour voir le monde comme le Christ voit le monde. Voilà que, avec le même point de vue, avec le même cœur que Jésus, avec la même volonté de tout donner, avec le même regard qui relève, avec le même regard qui guérit, qui pardonne, qui fait confiance. Vous avez entendu, elle a été proclamée de quelle manière, première lecture, on s'y croyait tout à l'heure avec Jonas. Nous sommes tous un peu des Jonas devant le monde moderne, devant la grande ville, devant la ville nouvelle. Oui. Et peut-être que nous ne croyons pas toujours suffisamment que la grande ville païenne peut se convertir. Et pourtant, non seulement Jésus appelle à devenir disciple, mais il ajoute, je vous ferai pécheur. Et donc, il invite les chrétiens disciples à devenir apôtres, à être envoyés en mission. J'ai rencontré juste avant, d'ailleurs, les conseils, les confirmants d'Iranie et de l'Otique de Montréal. Et nous avons passé une heure et demie à échanger. Ils seront confirmés samedi prochain. Et ils m'ont bien dit, saluer les confirmants de Sergio, quand je le fais. Et certains me disaient, oh là-bas, tu ne te sens pas très, très capable d'être apôtre, d'être envoyé comme mais de dire, je sens encore que ma foi est un peu fragile, et puis j'ai encore des doutes. C'est vrai, tout seul, c'est pas possible, mais ça peut sembler même au-dessus de nos forces, mais c'est pour cela que vous allez recevoir l'Esprit Saint en plénitude. Ça a été la peur des apôtres, et à la Pentecôte, ils ont reçu cette force extraordinaire de pouvoir parler à ceux qui étaient venus en pèlerinage, de parler leur langue maternelle et dans leur langue maternelle de leur dire le cœur de la foi, Christ est ressuscité, Christ est sauveur. Oui, c'est comme une nouvelle Pentecôte que nous vivons ce matin. Et c'est maintenant à vous de semer la parole, de semer cet amour du Christ là où vous habitez, là où vous travaillez, là où vous détendez. J'ai été touché par les lettres que vous m'avez envoyées. Alors je voudrais en citer juste 5 extraits de manière anonyme, bien sûr, avant de vous répondre dans les semaines qui viennent. Et avant de conclure pour Dominique, écoutez, chers amis, je demande la confirmation pour que l'Esprit Saint m'enracine plus profondément dans ma vie d'enfant de Dieu et me parvienne à rendre plus solide le lien entre Dieu et moi. Un autre, je demande la confirmation pour pouvoir renouveler l'Esprit Saint en moi, être comme une nouvelle créature et ressentir la confirmation de mon appartenance au Christ Jésus. C'est pour moi une nouvelle naissance spirituelle. Un troisième, je demande la confirmation dans le but de contribuer à la vie commune de l'Église et pour avancer dans la foi et devenir un adulte à part entière au sein de la communauté chrétienne. Encore, je demande à être confirmé afin de grandir dans la foi pour la fortifier, devenir apôtre de Christ et éviter d'être tiède, mais aussi partager sa parole sans crainte et devenir son messager. Permettez encore une citation.
Vivre un sacrement est un moment de bonheur qu'on souhaite vivre et revivre. Tellement cela soulage le cœur, je me sens prête à prendre sur moi les responsabilités du sacrement de la confirmation. Pour servir Dieu, ça va m'attribuer une mission dans l'Église et dans ma vie un véritable objectif de vie. Oui, c'est super pour un élève de lire et relire les lettres des confirmants. Et en vous écoutant, en vous lisant, je me dis, voilà, avec les prêtres qui sont les premiers collaborateurs, j'ai mon deuxième cercle de collaborateurs et de collaboratrices pour annoncer la joie d'être aimé. Tellement et tellement de jeunes n'ont jamais entendu parler de Christ. Alors, j'ai envie de vous dire, je vous fais confiance. Et les prêtres, les diacres, vous font confiance pour être des collaborateurs. C'est saint Paul qui dit que les dons de la grâce sont variés et que c'est le même esprit. Alors à chacun de faire fructifier les dons que vous avez reçus, de faire fructifier l'œuvre de l'esprit dans vos cœurs. Pour certains, ça sera l'annonce de la parole. Pour d'autres, ça sera le service de la prière et de la liturgie. Pour d'autres encore, le service de la charité. Et je crois que tout à l'heure, Bruno ne me trompe pas, vous allez recevoir de votre pasteur une lettre de mission. Pour combien de temps? Pour un an, parce qu'il y aura d'autres missions après. Mais déjà, tenir une mission pendant un an, c'est pas bien. Et c'est vrai, oui. Alors, pour l'homélie. Ah, mais c'est bien. Pour l'homélie, j'ai un souffle. Il s'appelle le père Bruno Guépon. Alors, il m'a dit qu'il fait renouvelable. Par passer sur le conviction. Il a des chances. Ah, mais c'est beau, hein. C'est la première paroisse que j'ai rencontrée où les prêtres donnent une mission, une lettre de mission pour confirmer. Et depuis, et avec le père Gaël, je me souviens, première fois. Et j'ai un souvenir ému de cette première fois. Et moi, comme évêque, ma mission, entre autres, c'est de donner les bonnes initiatives à d'autres paroisses, si bien que maintenant, presque toutes les paroisses reçoivent une lettre de mission. Je peux vous dire, c'est grâce à Sergi. Ouais, on peut le dire. Ouais, ça veut dire. Hier, j'ai fait avec certains des tous les animateurs, animatrices de Monnerie, là, 130 ou 120, à Massagué. Et un des intervenants dominicains a rappelé que les jeunes ont besoin d'être fiers de leur foi chrétienne. Et ça m'arrive souvent que je sois interpellé par des jeunes confirmants, mais aidez-nous à être fiers de notre foi. Et d'autres, ils me disent merci de nous aider à être fiers de notre foi. Non pas pour avoir des chevilles qui enflent, que ça n'a aucun intérêt. Vous changez de chaussures. Mais pour fiers de cette foi qu'on reçoit comme un cadeau, si tu savais le don de Dieu. Mais un cadeau à ne pas garder pour soi, mais à donner à d'autres. Alors merci aux marins et marraines de soutenir ces confirmants bientôt confirmés en plaçant votre main sur l'épaule de votre filleul. Ça en sera le signe que vous êtes prêts à les épauler. Et puis, j'invite toute la communauté chrétienne à soutenir ces confirmés pour qu'ils prennent toute leur place et que vous ne vous disiez pas « Oh, mais ils sont encore beaucoup trop jeunes. J'ai une grande, grande expérience, ils sont trop jeunes pour faire ceci, faire cela. »
Chers amis, vous entourez de votre amitié, de votre
votre affection, c'est confirmant. Ils devront toujours pouvoir compter sur vous et sur l'appui d'une communauté chrétienne fraternelle, vivante et joyeuse. C'est ainsi que l'Église soutient la foi de chacun. C'est pourquoi j'invite ceux et celles qui ici partagent votre foi à l'exprimer avec moi devant les confirmants de ce matin en répondant à ma question « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit ? Oui, nous croyons. Les confirmants, bien sûr, restent debout et notre assemblée peut s'asseoir. Béni est la mort, Seigneur, non, non, non.
êtes confirmés, qu'ils aient l'audace et la foi de te suivre sans débat dans toutes les conditions où tu les attends. Nous te prions. Thank you.
tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ta grâce. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même est délivrée. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie à
regarde pas le péché, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous.